Je sens que cette canne sera sucrée. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'elle sera vraiment sucrée. Et que tu regardes quoi? Waouh! Regardez cette bouteille d'eau. Les gens ont tellement parlé de cette partie vide. Aujourd'hui, je vais vous parler de la partie pleine. Alors, bienvenue dans le pays du Sinopha. Bon, ça va. Bienvenue dans le pays du grand Roger Mila. Alors, le père, comment tu trouves ce stade? Sucré. Presque 50 ans après la dernière messe du football organisée dans le pays du très célèbre Bida Grégoire dit Arantes. Attendez, la dernière canne. Ah, le père, la dernière canne, c'était vraiment en 72, non? Ce qui est sûr, celle-ci sera sucrée. Bienvenue aux 24 nations reparties en 6 poules qui viendront vivre la plus belle canne de l'histoire. Commençons par la poule E, vu que nous sommes à Douala. Chers frères algériens, Sierra Leonais, Équato-Guinéens et Ivoiriens, je vous présente la merveille des Japonais. C'est dans ce stade de 50 000 places que vous jouerez vos matchs de poule. Quand vous entrerez dans ce stade, vous aurez l'impression de réaliser un rêve. C'est ici que se jouera la demi-finale de la CAN Total Energy 2021 et j'imagine déjà l'ambiance dans les studios de production du stade de Japonais. Nous sommes à la mi-temps de ce match qui oppose le Cameroun à la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est mené 7 buts à 0. À vous l'antenne. À Douala, les stades d'entraînement sont versés war. Vous aurez le choix entre le stade Mbappé-Lépé, le stade de Bonamou Sadi, le stade Omnisport et les annexes 1 et 2 du stade de Japoma. Pour votre sommeil, ne vous inquiétez pas. Vous dormirez dans des hôtels proches du paradis. Et en cas de qu'est-ce qui se passe, vous serez soigné dans des hôpitaux qui ressemblent à la vie éternelle. Et en passant, si vous rencontrez Samuel Eto'o quelque part à l'hôpital à Quintini, n'oubliez pas de lui dire bonjour. Bonjour, champion. Comment tu trouves nos hôpitaux? C'est sucré. Mes frères Malawi, Guinéens, Zimbabwéens et Sénégalais évolueront dans la poule B comme Bafoussam. C'est dans ce stade que vous jouerez, les gars. Alors, champion, comment tu trouves cette pelouse? Sucré. C'est dans ce stade de 20 000 places qui épouse la nature que vous serez reçu par les peuples de l'Ouest Cameroun. Voici comment on va vous accueillir. Pour vos entraînements, vous aurez le choix entre le stade annexe de Kouikon, le stade Foto Victor de Bandjoun, le stade Omnisport de Bafang et le stade du complexe Tajidor. Pour les hôpitaux, ne vous inquiétez pas, nous avons sorti l'artillerie lourde à quelques mètres du stade pour soigner vos maux de tête causés par la stupéfaction devant la beauté de l'Ouest Cameroun. Puisqu'ici le terme dormir est réducteur, vous sommeillerez dans les hôtels les plus magnifiques de la planète. Vous allez respirer le parfum de la vallée Bana et contempler la splendeur du Tajidor. En parlant même du Tajidor, c'est ici que sera logée l'équipe du Sénégal. Alors, comment tu trouves cet endroit, champion? C'est sucré. La poule D, quant à elle, évoluera à Garoua. Chers frères nigériens, égyptiens, soudanais et bissau-guinéens, voici comment vous serez reçus chez nous. Le Cameroun, terre fantastique, vous recevra en Fantasia à Garoua. Et puisqu'on n'oublie pas que vous venez pour le football, les populations du Grand Nord Cameroun viendront vous acclamer dans le stade Roumdé à Dja de 30 000 places. Alors, comment tu trouves les goals, champion? Sucré. Attrape alors. Ce stade à la pointe de la technologie est doté d'une des plus belles pelouses au monde et possède son propre studio d'enregistrement. Les médias nationaux et internationaux pourront s'y produire en douce. C'est sucré. Parlant des hôpitaux, ne vous inquiétez pas. Garoua a mis le paquet pour savoir ce qui se passe en cas de qu'est-ce qui se passe. Les stades d'entraînement pullulent à profusion. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les charismes. À Garoua, vous dormirez dans des hôtels qui vous rappelleront le futur. Vous surferez sur les vagues de la Bénoué et vous goûterez au sommet géométrique du Ribadou. C'est justement ici, à l'hôtel Le Ribadou, que sera logée l'équipe du Nigeria. So, champion, how do you find this place? Sweet. It is in this stand that the supporters of this four team will celebrate the victory. So, champion, how do you find this stand? Sweet! C'est dans ce stade de 20 000 places du stade Omnisport de Limbé qu'évoluera la poule F. Chers frères tunisiens, maliens, mauritaniens et gambiens, les villes de Boya et Limbé vous accueilleront au pied du mont Cameroun dans des hôtels à couper le souffle. Vous dormirez au gré des vagues réchauffées par le magma en fusion. Pour vos entraînements, vous aurez le choix entre le Limbé Middle Farm Stadium, le Boya Moliko Stadium et le Limbé Centenary Stadium. Dans le cas où vous attrapez un panari au cœur face à la générosité du paysage, sachez qu'il y aura toujours un hôpital généreux pour vous accueillir. Terminons par Yaoundé, la cité capitale qui accueillera deux poules. Et commençons par la poule C. Mes frères marocains, ghanéens, comoriens et gabonais feront vibrer les 45 000 places du stade Omnisport Amadou Ahidjo. Et chaque instant sera juste magique, comme Boma. Non grand? Ça sera sucré. Les deux poules de Yaoundé dormiront dans des hôtels qui frôlent la perfection. Les chambres sont belles. Belles. Hey, belles. Grand frère,
C'est sucré. Les stades d'entraînement, c'est la magie. Les équipes de Yaoundé auront la joie d'avoir l'embarras de choix. Et il y aura toujours un hôpital à côté pour essuyer les larmes de joie des poules C et A. Clôturons justement avec cette poule A qui évoluera aussi à Yaoundé dans l'une des enceintes les plus belles au monde. Un bijou de technologie. Le complexe sportif d'Olimbé. 60 000 places. L'Afrique peut être fière. Ici évolueront les équipes du Burkina Faso, de l'Éthiopie, du Cap Vert et surtout les lions indomptables du Cameroun. Ça sera sucré. On est prêt? Wow! On est prêt? Wow! Le peuple camerounais est prêt. Les infrastructures sont prêtes. On est là. On vous attend. Wow!